Salut les amis de montagne. Salut les amis de montagne. Ouais. Ouais, Damien est avec moi aujourd'hui parce qu'on a été invité par le Festival Fred de venir ici au Théâtre des Mansardes. Oui, ils ont pris des lycéens pour des courts-métrages. On a mis notre film Le Vieux Arbre. On va voir ce que ça donne. Pour la petite histoire, le Festival Fred, c'est le festival international du film d'environnement. Du coup, on s'est dit que ça pouvait avoir du sens que de proposer le film Le Vieil Arbre à ces lycéens, voir si ça les touche. On sait jamais. Voilà. Et on va voir si ça touche ou pas. Allez, à tout de suite. Et le gagnant, c'est le vieil désolé, hein, je ne m'y attendais pas forcément, ce n'était pas l'objectif. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bah, ça prouve que ça vous a plu, que ça a fonctionné en quelque sorte. Il y a un truc que j'ai envie de vous dire, surtout à vous, qui êtes lycéen, qui avez fait partie de ces jurys. Concrètement, le court-métrage que l'on a fait avec Dirk Schmeller ici, ça n'a pas été un projet énorme en termes de temps que ça nous a pris, en termes de ressources déployées. Ça part juste d'une bonne idée, d'une coup de cœur, d'avoir envie de transmettre quelque chose, un message assez simple. Pour tout vous dire, ça a duré un jour et demi le tournage. Il y a eu, on connaît un peu l'endroit, il y a plein de choses avant, plein de choses après, il y a la post-production, il y a plein de trucs. Il n'y a pas énormément de matériel, il y a peu de choses. Tout ça pour vous dire que c'est possible, y compris pour vous, si vous voulez dire des choses, si vous voulez aujourd'hui transmettre des messages forts, sortez dans la rue, une caméra, un micro, et c'est que l'idée. Vous allez tous pouvoir vous exprimer aujourd'hui. Il y a tous les canaux qui existent de communication, les réseaux sociaux, ce genre de festivals qui mettent en lumière des projets lorsqu'ils valent la peine. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas. C'est le seul message que j'ai pour vous. Allez-y, sortez, exprimez-vous et éclatez-vous, quoi. Oui, merci vraiment aussi de ma part. Vous réalisez peut-être pas, mais je ne suis pas réalisateur, hein, je suis chercheur de la base. Et ça a été mon envie de transférer ce qui est vraiment une vieille arbre, c'est une vieille arbre, pas une vieille arbre, une vieille arbre, même avec les petits accents. Et ça a été vraiment important que les gens comprennent ce qui se passe aussi sur l'autoroute. Ils sont en train de détruire une histoire longue. Certains des arbres, nous, on a filmé, qui sont 500 ans. Et là, c'est une richesse biodiversité qui est là derrière, qui est vraiment unique. Et ça ne se construit pas en replanter trois pauvres arbres pour une vieille arbre ouais, tuée, on va le dire comme ça. Merci, j'espère que ce message est bien passé. Vous avez aimé le film. C'est pour nous un vrai succès. Ça nous fait vraiment plaisir. Et j'espère que ce message va être porté bien plus loin que dans cette salle. Et, Je n'ai pas vu venir. Non, mais c'est super. Ah ouais, ça fait plaisir, plaisir aux collégiens. Ah ouais. Notre film, c'est. Ah, c'est super. Merci.
Non, mais vraiment, c'est fort. C'est fort, il y a un super accueil. C'était hyper enjoué, les jeunes, t'as vu dans la salle. Oui. Ouais, c'était. Waouh! Émotion? Émotion. Grosse émotion. Ouais. Je m'attendais pas du tout, j'étais pas prêt. J'étais pas forcément venu. En plus, pour ça, c'était. Non, ça, c'est cool ce que je viens de dire, mais c'est vrai, pour ça, je m'attendais vraiment pas. Mais ça prouve que ça leur a plu. C'est un format, je pense, ils vont leur parler. Un format court, on laisse parler la nature, où c'est la nature qui s'exprime. Et là, pourquoi tu vas la. Et ouais, c'est peut-être qu'un début, parce que si on commençait à la laisser s'exprimer, elle aurait dû plein de choses à dire, non? Ah, bah oui, on va voir ça. Ça donne des idées. Ah, les amis de montagne, vraiment, on est super contents. Damien et moi, on a gagné un prix pour notre film Le Vieil Arbre, et ça nous vraiment fait plaisir. C'est une journée qui est un peu exceptionnelle quand même, un succès super. Et j'espère que vous êtes contents avec nous et vous continuez à regarder le film qu'on est en train de faire. Et, souscrit sur la chaîne, comme ça vous êtes les premiers à le savoir. Est-ce que ça te dit qu'on leur remontre? Allez, on va nous remontrer. Allez. Bon visionnage. Bon visionnage. Je suis un arbre, une très vieille arbre. Je stocke du carbone depuis des centaines d'années. Il est dans mes racines, dans mon bois et dans mes feuilles. Le carbone, l'élément essentiel de la vie. J'utilise le soleil pour récupérer l'énergie dont j'ai besoin. L'énergie dont j'ai besoin pour devenir aussi majestueux. L'énergie dont j'ai besoin pour être en vie. L'énergie dont j'ai besoin pour nourrir, accueillir et attirer la vie. Je regorge de vie, sous terre et en surface. Des communautés de nombreuses espèces animales et végétales différentes ont élu domicile. Il faut des siècles pour que ces communautés s'établissent. Et je suis heureux de les accueillir. Je vous connais, vous et votre espèce, depuis un bon moment maintenant. Vous avez erré dans mon ombre. Vous avez utilisé mon bois mort pour vous chauffer. Vous avez grimpé sur mon tronc pour mieux voir la magnifique paysage dans lequel je pousse. Nous avons vécu ensemble, en harmonie et en paix. Puis, j'attends des cris de mes coussins quand ils sont tombés. Par vos mains. Une, deux, dix, des centaines. J'ai senti le choc quand ils ont touché le sol. Vous les avez traqués hors de mes bois. Ils mourront lentement en s'épuisant. De nombreuses espèces ont perdu leur foyer. J'étais épargné. Ma chance, je pousse à un endroit que vous ne pouvez pas atteindre facilement avec vos machines.
assez récemment, du moins pour moi, je commençais à souffrir d'autres choses. Chaleur, inondation, sécheresse. Encore plus de sécheresse. Plus de chaleur, plus des inondations. J'ai des vertiges. Je me sens fiévreux. Je me sens malade. Je ne sais pas combien de temps je vais rester debout. Combien de temps je serai encore la maison de ces nombreuses espèces. Quand je tomberai, et je le ferai, je le sens, le désespoir régnera dans le bois. Et vous, vous ne vous rendrez peut-être compte que lorsque beaucoup d'entre nous seront partis. Alors, il sera tard. Notre espèce est une demi-millénaire à reposer. Vous serez peut-être parti depuis longtemps quand Cousin aura retrouvé ma taille majestueuse. Quand je périrai, vous périrez. Nous faisons tous deux partie du même système. Juste une pensée. Arrêtez de me tuer. Salut les amis de montagne. Bon, aujourd'hui, making of un autre film. Et c'est pour ça, derrière moi, vous pouvez voir Damien. Voilà, il est là. Salut. Salut les amis de montagne. Et là, on va vous montrer comment ça se passe pour faire un film comme ça, parce que c'est pas qu'on allait simplement quelque part et boum, c'est fait. Non, c'est un peu du boulot et repérage des bons endroits et bah, c'est ça, on va vous montrer. Allez, à tout de suite. De Benny Hill dessus. Tu te rappelles? Alors là, derrière, quelque part, vous voir une petite pont qui passe sur la gare de Mercado. Et là, à cet côté-là, ça c'est Damien qui va essayer de filmer avec sa drone en passant dessous cette pont. Alors il commence un peu stressé, mais on va voir comment il va arriver. Aussi on va perdre une drone là, hein, ça peut arriver. C'est tout à fait ce qui risque de se passer. Alors il est passé bien comme il faut, c'est propre, oh, c'est propre. Attends, je le ramène en sécurité, mais c'est superbe. Ah, c'est un sauf, il est revenu. Bon.
Bon, pas tout à fait le temps on a voulu, mais c'est quand même sympa. Ça sent super bon, les sapins. Et on a quelques rayons de soleil avec la pluie. C'est vraiment pas mal du tout. Et qu'est-ce que tu dis? Bah c'est pas mal, c'est joli, mais c'est mouillé. C'est mouillé. Qu'est-ce qu'il est beau ce tronc là? Protection de sous l'arbre. C'est un peu plus sec ici. Faire des choix dans la vie. Une making of, c'est un film, évidemment ça n'arrête pas dans la montagne, ça c'était la façon et la partie jolie pour nous. Maintenant on est dans le studio et on a déjà regardé un peu des rushs, on a un peu regardé ce qu'on a enregistré, quelles sont des jolies images. Là on est encore en train de discuter quelle musique. Le plus important c'est que on a besoin d'enregistrer et on va enregistrer plusieurs langues. Et ça va nous prendre encore un peu du temps, mais ça fait partie du making of. Et après, c'est fini, n'est-ce pas? Ah, tu m'as l'air. C'est pas quoi dire. Hein, voilà, le producteur qui n'a plus rien à dire parce qu'il connaît pas cette côté de la caméra. Mais bon, c'est comme ça. Hein. Allez, au revoir les amis de montagne et à bientôt. Salut, bon visionnage, à bientôt.